Le 16 au soir, l'empereur fut obligé de quitter Moscou. Il alla s'établir à une lieue de la capitale. Une partie de l'armée quitta aussi la ville qui fut livrée au pillage. Monsieur vous dire combien je vous suis terriblement reconnaissante. Je n'ai fait que mon devoir d'officier français, madame. Quel dommage, cher homme si modeste, que les officiers de votre nation ne soient pas tous aussi courtois et galants. Nous sommes tous les mêmes, madame. Seuls quelques canailles qui se glissent toujours dans une armée. Oh non, monsieur l'officier. Lieutenant, je crois. Lieutenant, oui, madame. Bien, monsieur le lieutenant. Tous les officiers n'ont pas votre sens de l'honneur. Alors, une fortune, mon brave. Toutes sont authentiques, toutes. Un colonel. Eh bien, lieutenant. Je me demande si tous les camarades qui sont tombés sur les champs de bataille d'Europe depuis 15 ans sont morts pour permettre à un colonel de se conduire comme un guépard de la courtille dans Moscou ville ouverte. Lieutenant, le respect. Allez, ça suffit. Laissez là ce que vous avez volé, puis partez, mais partez vite. Clampin, vous allez trop vite. Hélas. Je n'irai pas plus loin que Moscou. Car je crois que j'ai atteint le bout du monde et de la honte. C'en est trop. Soit, colonel. En garde. Mais moi, je me bats pour l'honneur de la France et de Jean-Roch Coignet. Et toi, tu te bats pour tes voleries. Colonel. On est gens de revue. C'est ça. Va raconter ça au tondu. Serviteur, madame. Vous partez, monsieur le lieutenant. Tout à l'heure, d'autres viendront et nous serons seuls. S'il vous plaît. Foi, madame. Si vous voulez bien manger. Prigatorti come tutte le parrucciche. Non spereschi. Je suis très honoré de recevoir un officier français sous mon tour. Camara Fiodor, me berissa. Lieutenant Jean-Roch Coignet, madame. Viens par la
Tout a commencé en Espagne. Jusque-là, nous avions encore du cœur. On gardait le respect de certaines choses. On était encore des hommes sous l'uniforme. Que faisait-on aujourd'hui à Moscou? Était-ce pour défendre la France et nos droits que la grande armée était devenue ce ramassis de brigands? Можно войти? Вы уже заснули? Mes servants sont couchés. Je suis seul. Je trépère, monsieur le lieutenant. Maisons avaient brûlé, 500 palais et églises. Les blessés russes et français mouraient dans des hôpitaux infects. Je reçus l'ordre de faire creuser des trous pour y enfouir les cadavres. J'obtins un billet de logement et pris mes quartiers dans la maison de Tamara Borisovna. Je fis des provisions pour l'hiver. Un semblant d'ordre était rétabli dans Moscou. L'empereur faisait enlever des trophées et la croix du tombeau des tsars. Certains Russes demeuraient en ville, dénonçaient à nos soldats des cachettes moyennant finance. C'était déplorable à voir. Avance, type bourré, ou je te coupe les oreilles avec les dents, ma parole de femme. Oh, t'as des ennuis, Margot? Qu'est-ce que ça peut te foutre, muscadin de blé? Croignet. Mon petit secret, mon cupidon, en culotte de sergent. Lieutenant, ma belle, lieutenant, pour le respect du grade. C'est pas vrai, viens que je te bise. Qu'est-ce que tu fais là, Margot? Une épicerie de gros qui a été oubliée. Ah. J'ai fait mon réassortiment pour toute la campagne et pour pas un rond. Et où cantonnes-tu? Dame. Avec toutes ces denrées dans ma voiture, je dormirai là-dedans, sur mes tonneaux de harengs. Mais faut que je trouve un endroit sûr. Il y a du mauvais monde ici en ville. Viens chez moi. Où c'est chez toi, Jean-Roch? Ha! Allez. Coup qu'on va faire la belle jambe. Rien que du velours fin, de la soie et du satin broché. Allons les femmes du monde, collègue. Ah, messieurs, ah, messieurs. Tout le temps, Marouchka, je fais danser la cavotte à deux dos. Je ne suis pas russe, je suis française. Et que faites-vous, qui êtes-vous? Mademoiselle Fusy, première ingénue de la troupe française de Moscou. Bah, c'est pas les troupes françaises qui manquent à Moscou. Non, non, mademoiselle veut dire la troupe théâtrale, idiot. Oui. Oh, bah alors, tous ces affutios, c'est à vous, alors. Mais ce sont nos costumes de scène. Oh, mon Dieu, qu'allons-nous devenir? Et vous n'avez pas peur de rester seule dans cette maison? Nous sommes trois, mademoiselle l'amiral, notre grande coquette, et mademoiselle Périgny, notre soubrette. Eh ben, allez les chercher, vite. De grâce, monsieur, elle meurt de peur. Et justement, maintenant, vous êtes sous la protection de la garde. La garde a le respect du sexe et de la vertu. Allez, oh, allez, allez, allez. Oh, non. Respect à la beauté et défense de cracher par terre. Vite. Allez, vite, vite. Qu'est-ce que c'est que cette chienlit? C'est la noce à Jeannette. Arrive ici, vous autres. Qu'est-ce que c'est que ça? Des grenadiers de la garde qui ne respectent pas les ordres? Défense de piliers, on vous l'a dit.
C'est pas vrai, alors, mon lieutenant, on commence la guerre en dentelle. Godoy. Oh, la franchise. Gervais, Félix. Plus qu'on gagne de bataille, plus que tu deviens belle, toi. Et toi, Pipon, épargne mon tendre cœur. Alors, il est encore là, hein. Non, mon lieutenant, va l'album, pas de pillage, pas de pillage. C'est la consigne. Ah, j'applique la consigne. Hier soir, j'ai sambré un colonel qui pillait sans vergogne une dame de qualité. Ah, tu l'as esquinté ? J'y ai coupé le bras et je l'ai sorti coupé en le cul. Et la dame de qualité ? Elle avait besoin de protection. Tu te pointes avec un manteau de princesse sur les épaules, hein? Et les bottes dorées, faut un sérieux culot pour accuser trois pauvres soldats tout nus. La gueule, Godoy. Allez, venez tous à la maison, il y a de la place pour loger. Toi, tu mettras ta carriole dans l'écurie. Ce soir, les enfants... On fête notre entrée dans Moscou. Le triomphe de la liberté et la défaite de la tyrannie. Madame Siogotova. Пожалуйста, господа. Marquis de Pantin avec sa marquise. Qui était ce marquis? Ah, le roi de France, citoyenne, avec son autrichienne. Le comte d'Artois et la duchesse de Lamballe. Et voilà le comte de Provence soi-même avec sa gourgandine, la Polignac. Vous ne dansez pas, madame? Ce n'est pas l'heure, cher officier Sicurta. Dansons tant qu'il y a de la musique. Non pas, cher officier français. Je bois à ce sanglier héroïque qui brûle ma ville et ma maison. Je bois à ce qui meurt pour la très sainte Russie. Thank you.
23 octobre, l'armée reçut l'ordre de quitter Moscou. Des batteries remontaient sur le Kremlin. Elles avaient reçu l'ordre de le défendre. Le contre-ordre n'était pas encore arrivé. La route était encombrée par les fourgons des pillards de l'armée. Leur colonne s'allongeait sur plus de 50 kilomètres. Cette revue passée par le roi de Naples, il n'y avait pas 300 hommes de la vieille garde. Moins encore de la jeune garde. La plus grande partie hors de service, ayant les pieds ou les mains gelés. La garde napolitaine, réduite à 700 hommes, marche avec peine. Voilà donc, sire, tout ce qui nous reste de l'armée. Les 3e, 4e, 5e et 9e corps n'ont plus que leurs aigles escortés par les officiers survivants. J'ai l'honneur, sire, d'être le fidèle serviteur de votre majesté. Daté de Virbalen, le 30 novembre 1812. Maréchal Berthier. Prince de Neuchâtel. Et de Wagram. Foutu soldat. Au large. T'as raison, il faut pas montrer trop de pitié pour ces salauds. Quand je pense qu'ils ont perdu Moscou. Halte, soldat. Qui sont ces deux sentinelles qui vous ont chassé? Des colonels. Qu'est-ce que t'as là-dedans? De la bouffe? Des cartouches. Qu'est-ce qu'ils foutent là, ces colonels? Il monte la garde. Crédier, pour se faire garder par des colonels, faut être une légume. C'est un général, je crois. On va voir ça. Au large, on ne passe pas. Oh, peut-être, mais moi, si. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu veux que je te fasse fusiller? Je t'emmerde. Je m'appelle Michel Ney. Et je veux de la soupe. Je retrouvais mes camarades entre Smolensk et la Bérézina. Ils étaient dans le plus grand besoin. Un hourra de Cosaques les avait fait s'égarer. C'est d'une heure, la franchise. Reste-toi sur les étriers. Tu verras les églises de Varsovie. Je peux plus, mon lieutenant. Jambes gelées jusqu'aux genoux.
Nous étions une proie facile pour ces Cosaques, bien qu'ils n'eussent pas d'armes à feu. Mais ils couchaient au chaud. Nous dormions par un froid de moins 20 degrés. L'ami de la franchise passa l'arme à gauche. La terre était trop dure. Et nous étions trop faibles pour lui creuser une fosse. Nous parvîmes cependant à hisser son corps dans les branches d'un arbre pour le mettre à l'abri des loups jusqu'au printemps suivant. Là, je perdis Gervais, Godaï. Survivre devenait difficile. J'avais un pied gelé. On ne savait plus ce qui était l'aurore ou le crépuscule. J'avais juste un peu de sang de cheval gelé dans la neige que j'avais glissé dans ma giberne. T'étais pas tellement esquinté. Хлеб. Брат мой. Хлеба. Помилуй, нет хлеба. Нет хлеба. Помилуй, ради Бога. Хлеба. Хлеба. T'as bonne mine de me demander du pain. Tu peux crever, fumier. Брат мой. Ma peau d'abord! Не могу больше. Fils de carte. Heureusement que tu crèveras avant moi. Les Français! Niet. Niet, Cosaques. Merci. Si je peux faire quelque chose pour toi.